Vendredi 25 septembre 2020, bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue dans le Journal 9. Rapidement, quelques points qui ont dominé l'actualité à Berson Soljou, c'est nouveau inspecteur général police nationale d'Haïti. D'après une note qui portait date 23 septembre 2020. Mouvement patriotique populaire dessalinien MOPOD annoncé jeudi une opération lirée les trois têtes. Côté là-dedans, il y a un amendement constitution, pouvoir transition qui pour prendre tête pays. Union parents élèves progressistes UPEP dénoncé grève professeur yo cap continuer dans l'école publique yo alors que date examen l'état yo a rapproché. À l'étranger dans pays l'Italie, professeur et élèves manifesté jeudi pour réclamer plus bonnes conditions sanitaires face à COVID-19 là. Enseignant yo plein pour place qui pas gagné dans l'école yo côté distance sociale là pas capable respecter. Restez branché pour le développement de Titsa yo et quelques autres encore. Bienvenue dans le développement journal là. D'après une note qui porte date 23 septembre 2020, accidenté directeur général à IPNH là, Berson Soljou nommé inspecteur général police nationale d'Haïti. Nomination ça effective depuis date lettre ça signé. N'a pas rappelé gain environ une semaine depuis au été nommé monsieur Soljou directeur central police administrative là DCPA. Berson Soljou c'est ancien directeur départemental l'Ouest DDO. Mouvement patriotique populaire dessalinien MOPOD annoncé jeudi une opération lirée les trois têtes. Côté là-dedans, il y a un amendement constitution, pouvoir transition qui pour prendre tête pays. En écoutez, coordonnateur national MOPOD là, André Victor, pour plus de détails. Nous avons passé dans l'annonce là. Nous venons annoncer une opération trois têtes que MOPOD a lancée là. Première tête opération, c'est ça nous relé. Pensez M. Doval là est toujours vivant. Pensez M. Doval là, c'est qui ça lié? Ou pas qu'à gain élection sans constitution. Deux, faut gain constitution avant élection. C'est ça pour garantir stabilité politique dans le pays. Faut constitution en fait avant conseil électoral qui vous fait élection. C'est logique. C'est pour garantir représentativité. Trois, faut gain transition avant constitution, c'est ça pour permettre que ou gagne souveraineté nationale pour faire constitution que c'est peuple haïtien même qui fait constitution, c'est pas dans l'étranger là souti. Faut gagne conférence nationale souveraine qui pour ba ou constitution si là pour le cas gagne participation population. Donc c'est ça que résumé pensée politique Maître Doval. Donc opération Doval toujours vivant, c'est opération pour maintenir bagaille ça toujours limé de façon que mobilisation fait solide. Deuxième opération, c'est ça nous relé transition c'est l'espoir 1804 pas 2020. Nous t'ai fait révolution en 1804. Soit suivre ça qui passe dans pays à tout peuple haïtien d'accord que c'est une révolution qui pas finie. Bon, s'il pas fini, mes amis, il faut que nous continuions. Parce que nous faisons deux siècles là, nous avons un pile bagaille pas qu'à marcher. Nous avons nous bloqué pendant deux siècles là. Nous avons un pile problème, nous pensons que tu es mort, qui reparaît. C'est que la révolution n'est pas finie. Donc s'il pas fini, il faut nous prendre disposition pour nous faire. Yon l'autre bord, M. Victor dénoncé mandat d'amener paquet Port-au-Prince mettait derrière professeur José Mérilien. D'après agronome, le ministère de l'Éducation nationale failli avec mission dans le cadre de dossier ça. Nous pas d'accord du tout. Nous pas jamais d'accord à ce qui a passé dans le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, job li, c'est bail l'instruction, c'est faire l'éducation, c'est faire recherche. C'est faire innovation technologique. C'est ça que job ministère. Job là, ce n'est pas arrêter professeur. Ce n'est pas voyer mandat par professeur. Ce n'est pas ça que job là. Ministère a un job, il a une loi dans le pays. Là. Si vous avez qui pas marché, c'est pour le ministre là faire référence à la loi. Job ministère, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas qu'à détruire le ministère de l'Éducation nationale. Là, gens ça a passé là. Nous avons dit, professeur José Mérilien.
Quel que soit ça, on a gagné contre lui, il n'y a pas n'importe qui. Donc nous ne pouvons pas accepter ce bagage. Nous protester contre lui, nous protester énergiquement contre lui et nous demander au ministère prendre note de ça. Bon côté parle, Serge Jean-Louis, secrétaire général Mopod, mande population haïtienne pour continuer à manifester dans l'ARIA dans l'idée pour forcer chef l'État Jovenel Moïse démissionner et puis dénoncer sale relé comportement dictatif monsieur Moïse a affiché. Gagner stratégie pour évoluer sur aspect institutionnel dictatorial pour bloquer Jean coordonnateur a dit pour gagner des mobilisations citoyennes parce que ça gagne là il dépasser clivage idéologique, ça veut dire entre les structures politiques, la léo delà de bagay sa yo, puisque je dis à toute couche de la société à victime. Là, on a parlé de mobilisation citoyenne, populaire, nationale. Nous avons assimilé à révolte générale contre l'insécurité planifiée par pouvoir, contre la corruption institutionnalisée, contre massacre fait contre le peuple un peu partout, notamment massacre La Saline, massacre Belay. Alors, sous base ça, nous disons les Haïtiens, levez camper, debout. Parce que là, non pas pour aller prendre aucun dictateur. Vous comprenez, dictateur. Comme si nous d'accord. On dit qu'il folie d'ailleurs. Vous avez un dictateur, comprendre, les ramasser tout pouvoir, les mettre en bas, les écraser le Parlement, les écraser le pouvoir judiciaire, les écraser la présidence là. Parce que jeudi, la présidence là descend. Il y a des bagailles qui ont parlé jeudi à un niveau président ça. Ce n'est pas des bagailles où tu es content de même dans le quartier. Dans l'idée pour continuer honorer mémoire ancien bâtonnier Port-au-Prince-là, M. Montferrier Dorval, banditier avec balle 28 d'août passé à la Kaelin en Pèlerin 5, Université l'État d'Haïti a créé prix excellence Montferrier Dorval. D'après responsable, prix ça a décerné chaque année à étudiants qui réalisaient plus belle mémoire niveau licence, meilleure mémoire dans niveau maîtrise et meilleure thèse dans le domaine droit. Union parents élèves progressistes UPEP exprimé inquiétude li pour tout le monde l'école publique yo qui pourra participer dans examen l'état dans pas longtemps alors que grève professeur yo a continué dans l'école l'état yo. Coordonnateur UPEP là Léo Litoli invité professeur yo retourner dans classe yo dans l'idée pour tout le monde yo pas perdre année scolaire. On écoute Léo Litoli. L'en considéré rester à peine 10 jours de classe. Pour élèves 9e année fondamentale yo participer dans l'examen officiel yo. Rete à peine 15 jours pour tout le monde NS4 yo, ou bien ça yo rele filo yo. Jusqu'à présent, gen professeur qui pa jamais mettre pied yo dans salle de classe côté tout le monde ça yo, au départ déjà échoué par rapport à tout le monde qui dans l'école privée yo parce que y a gen même examen avec yo et yo pa jamais yo pa gen professeur pour travailler avec yo. Non sans ça, comment on connaît pour gen l'école privée qui rele tête yo go l'école qui déjà fonctionné depuis le mois de septembre 2021. Il y a qui dit qu'il a prouvé dans le mois d'octobre. Alors que si l'école privée et l'école publique a prouvé pour l'année académique 2020-2021 dans le mois de novembre. Donc dans ce sens, nous demandons à l'école, le directeur de l'école, le professeur, au moins, même si nous connaissons les revendications juste, surtout pour la question d'assurance champouelle là, mais nous bâtissons une chance. Lord Bodlo, dans le pays d'Italie, professeurs et élèves manifestaient jeudi pour réclamer plus bonnes conditions sanitaires face à COVID-19. Enseignants ont plaidé pour place qui pas gagné dans l'école, yo, côté distance sociale là pas capable de respecter vrai. Dans le pays d'Italie, conditions enseignement yo, c'est un problème récurrent côté COVID-19 là vini aggraver sa plis. Seulement quelques semaines depuis rentrer l'école la fête, l'école dans le pays ça déjà plongé dans une crise côté mouvement contestation yo ta doué ra poursuivre jusqu'à 3 octobre 2020. Merci pour attention et fidélité. Nous bon rendez-vous pour un autre numéro.